Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Dans cet épisode, donc, on va aller se faire la mission secrète 3, hein, cette fois-ci. Hein. C'est parti, on se lance tout de suite dans l'action, c'est incroyable. Je suis pas chaud, ça fait un moment du coup que j'ai pas joué non plus à ce jeu. C'est pas grave, je me rappelle qu'il faut lui verrouiller son cul, il faut décoller, il faut avancer rapide, il faut dézoomer. Faire comme ça, hop là, il faut montrer le train d'atterrissage, il faut aller voir toi et te demander de se pencher pour économiser du carburant. Ok, c'est bon, j'ai pas tout perdu, tout va bien. Et on va détruire des usines, donc il faut que je demande à des membres d'équipage. Oh, magnifique, tout ça. Alors comment je rentrais? Ouais, ici comme ça, tac. Bah non, Wright, tu vas saucer un peu quand même. Je pense qu'il y a moyen que je sauce un peu. Ah oui, c'est pas au point la sauce. Hein. Right, s'il vous plaît, concentration. Concentre-toi. Sois ce que tu fais. Merci. Et maintenant, tu peux donc venir ici préparer une bombe. Ah oui, on en a que 3, donc faut pas déconner. Ok. Ah oui, mais j'étais en train de faire genre on va détruire une petite usine. Mais non, on va pas du tout détruire une petite usine. Alors on est sur une grosse mission secrète qui pèse. Ok. Notre problème. Petit tour de radio s'il vous plaît. Ça approche des côtes françaises. Un petit tour de radio. Monsieur dame, c'est pas perdu. C'est quoi ce bordel? Genre y a rien par là. Là tu peux dire. Mission de Noël. Très joli. Bon, on n'est pas en risque donc. Ah, ça vient seulement de se finir de se pencher. Ok, nice. Okay, très bien. Très bien, très bien. Sinon, j'allais dire, on se remonte d'économie de carburant. Eh bien, on est paisible. Ah, est-ce que. Ouais, concentration, est-ce que c'est vraiment nécessaire? D'ailleurs, tu fais le travail là, à ce niveau-là. C'est assez gros pour faire le travail. Voilà, c'était très bien, bravo. Aller recharger mon bâton. Zone de flaque, mais on passe à côté normalement. Ouais, mais à première vue, les prochaines zones de flaque ça va puer. Hein. Ça va pas sentir bon à première vue. Ça a l'air d'être programmé comme ça. Ouais, on va essayer de monter. Hein. Et d'économiser du carburant. Nous ne sommes pas pressés. Tant qu'on commence pas à prendre des shots, ça va. Je t'en vais y recharger. Oui, parfait. Waouh! Ouais. Bah oui, évidemment! Évidemment, ça commence à être compliqué. Hein. Mais bon, ça flaque au cas où vous seriez pas au jeu. Ouais, c'est ça, ça flaque les gros. Ça flaque! Balance. Cadence, mon poulet, on voit tout ce que t'as. L'ennemi lance un nouveau type d'intercepteur de fusée, préparez-vous aux manœuvres d'évitement. Quoi? Qu'est-ce qui? Comment ça? Hein? Faut les identifier? Vri! Qu'est-ce que c'est que cette merde? S'il vous plaît, est-ce que tu peux. Marquage auto, s'il te plaît. Parce que ça pue là cette histoire. Hein. Moi j'aime pas très très beaucoup ça. Hein. Oh, abattez-moi ce truc. Hein. Concentre-toi, ma gueule. Thank you.
ça revient ou pas? Il avait dit que la mission serait facile. Ah, ils ont couché Hutch. Hughes. Oh, oh là là, eh, mets-nous un petit coup de boost là-dedans. C'était où? T'es là. Duncan, est-ce que tu peux lâcher ta radio pour prendre du soin? Wolfion. Wright, est-ce que tu veux pas prendre position ici, s'il te plaît? Ouvrir les portes. Ralentis-nous. Mec, occupe le trépozo. Ah, j'ai largué à côté. Je sens que j'ai merdé. Ferme la porte. Je crois que si je l'ai eu. Oh, ça a compté. Duncan, s'il te plaît, est-ce que tu peux sauver un pote? C'est dommage que ça ce soit pas automatique. Ça c'est un peu embêtant. Je vous cache pas que. Wright, s'il te plaît, je vais te demander de reprendre ton poste d'artillerie temporairement. On va tourner au-dessus là, temporairement. Donc Hutch, tu prennes recharge tes munitions. Toi Duncan, retourne à ta carte. Enfin retourne à ta radio. Dépêche-toi, brouille-toi, merci, marquage auto, radio de reconnaissance, tombez la totale s'il te plaît. Ah tu sais pas ce qu'il faut recharger, bah écoute, c'est chez toi qu'il faut recharger mec. Voilà, concentration, right c'est bon normalement, Bert s'il te plaît, concentre-toi, il y a du monde à arracher. Ouais, tu vas pouvoir reprendre position pour les bombes, s'il te plaît. Ok. Tombe pas. Oh, me fais pas le coup de mon autre avion qui s'est écroulé comme un sac. J'ai besoin que t'ailles recharger s'il te plaît. Oh l'histoire de ces bombes, de ces morts là. Ah ils m'ont pas mis d'accord du tout. Hugues, faut que tu sois chaud. Hugues, faut que tu sois chaud. Voici
s'il te plaît, ouais. Sois chaud. Sois super chaud. Merci ma gueule. Va te soigner, tant pis, tu rechargeras un autre jour, parce que là c'est pas possible. Et sans déconner, on est où sur la carte de France là, et de Navarre? Ah ouais, il faut qu'on aille par là. Ah, y'a une photo à pas. Eh, on est des reporters. On est des reporters de guerre. Je sais que c'est pas une bonne idée de faire ça, mais... oui, je voulais voir sur la map ce qu'il y avait d'autre, mais... Oh, je vais le regretter tellement fort. Ah, c'est l'aérodrome qui m'envoie des mecs. Hugues, je reprends ton poste, grouille-toi. Arrête s'il te plaît, dès que tu peux. Merci. Showtime, hein. Non. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour prendre un petit cliché là, un petit clic-clac vite fait. Voilà, hop là, on tire de là. On va vraiment remonter à Cartman. Ah ouais, c'est vraiment programmé qu'on se fasse bien chier quoi. D'accord. Je dirais simplement qu'on est dans le bon sens. Que donc on va se permettre de remonter à moyenne altitude s'il vous plaît. On ralentit un peu. On va se rendre entre deux zones de flaque normalement. On économise un peu de munitions. Ok. Burt, j'aimerais bien, Burt, que tu t'ailles te faire soigner dans le monde. Burt, s'il te plaît. Est-ce que tu peux pas venir genre ici? Pendant que le pompiste Scott vient ici. What? Mais ils ont OS Hutch comme ça, quoi. D'accord, ils sont vraiment en train de nous harasser comme des sacs. S'il te plaît, est-ce que tu peux appeler des spits? Marquage auto et appel de spits. Non. Merde, viens soigner ce garçon. Hein. Et merde, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir genre là? Right, tu viens ici, s'il te plaît. Pac-Man, tu me répares cette merde. Ah oui, non, sors pas en fait, mauvaise idée, fais pas ça. Ok. Là, faut que j'utilise un petit ralentissement du temps. Non. J'ai le temps que j'ai utilisé, mais je m'en fous. Scott, machine arrière, s'il te plaît. C'est le bordel. Je sors sortir un mécano, c'était pas fun. Pourquoi? Genre on a plus de moteur, plus de fuel, plus rien. Ah non, bah on est mort. On est mort, c'était bien. Voilà. Ah putain, la mission. Soi-disant c'était facile comme mission. Hein. Ah merci le jeu d'être injuste comme ça, j'adore. On a perdu tout notre équipage, c'était magnifique. Ouais, survécu, bon bah. On a récupéré Burt. C'est déjà ça, hein. Oh, putain, la douille. La douille. Enfin, mission facile, je m'en rappellerai de celle-là. Hein. Mission facile avec un nouveau prototype de bombe que tu prends dans la gueule. Tu réfléchis. Bon, alors le Cartman. On 7, 8, 8. Alors là, on a une petite résistance au froid. Là, on a une survie terrestre. Et là, on a 110% de vitesse avec une grosse résistance au froid. C'est bien, ça. Ça c'est très bien. Bienvenue Léon. Les mécanos, enfin les pilotes.
t'as une dépendance d'oxygène, machin, et une survie au sol, t'es à 7, en plus t'es le plus intéressant. Bravo monsieur, vous êtes signé, j'ai pas vu qui t'étais, mais t'es signé mon ami. Les mécanos, survie en mer, d'accord. Surviante sur terre, mais pas où. Toi t'es 8 aussi. Bah écoute, Hazel, tu es signé. Mademoiselle Méritz. Radioman. Oula. Ah, mieux. Ah bah t'es carrément mieux. Bravo monsieur Edward. Bienvenue à bord. Bien les gens qui ont un peu de défense, ça fait plaisir. Alors du tireur. On nous propose que des merdes. Voyons voir dans les bombeurs ce qu'on nous propose. Ok, que de la merde aussi. Donc, c'est pas mal. Bah, t'as une survie terrestre à 6. Donc, bah, plutôt prends-toi avec un peu de résistance à l'oxygène. Bienvenue à bord, j'ai pas vu mademoiselle, mais bienvenue à bord. Et Boyle, survie terrestre 2, t'es à 7. Ouais, on va juste prendre Barita. Allez, welcome on board, Captain. Comment qui dirait l'autre. Oh, qu'est-ce que vous avez pris comme sauce, mes cochons. J'annonce, c'était moche. Hein. Je crois que j'ai l'équipement, voilà, le blindage. Oui, non, mais ça, c'est peut-être un peu trop, ça, non. On a plus 69. 6, je sais plus si c'est ça qu'on prenait. Équipe tout le monde comme ça. Voilà. C'est très bien. Combinaison de vol, par contre, on est peut-être mieux que cette combinaison de forêt à de ses morts. Voilà. Ah, ça c'était mieux. T'as équipé tout le monde. Parfait. C'est quand même, c'était un peu de la merde. Casque pare-balles MK2, c'est... Ah oui, c'est celui avec les lunettes. C'est pour le swag. C'est pour avoir un équipage du swag. Bien sûr. Vous êtes pas tous en oxygène 2. Tous en oxygène 2. Gilet pare-boule. Ah, c'est celui-là le mieux. Le mieux. Quitte tout le monde. Avec ça, s'il te plaît. Et butelle chauffante, isolante de ses morts. Perdrait un peu de défense, un peu de vitesse, mais gagner beaucoup en température par contre. Ah. On reste en cure renforcée. Et chauffante électrique de ouf. Basket toile. Non, non, c'est pas utile. En sachant qu'on débloque, à ce que je vois, bientôt un nouveau gilet. Hein. Enfin bientôt, à 38 000 de recherche. Ah oui putain, c'est pas tout de suite en vrai. Ok, bon bah ça marche. Les entraînements, donc on a du mec énervé. Mon pilote à premier soin. Voilà. Assez le mérite, donc t'es mécano et mitrailleur. Le gars de la carte, t'es aussi mécano. La radio, t'es en premier soin du coup. Bird, ça change rien. Lecten en premier soin. Et en premier. En mitrailleur. Merci. J'avais fait une connerie. Ok, cool, très bien. L'avion, c'est quoi le bousingue? Alors, déjà, la livrée. Voilà. Faut changer la livrée. Tiplette de Noël, ma gueule. C'est ça ton vert émeraude? Le gars n'a jamais vu une émeraude de sa vie, hein. J'annonce. L'avion chat, c'est dégueulasse ça. Forêt. Place de tortue, commandement, transport aérien. Voilà, on est déguisé en avion civil. Très important. Ah ouais, faut faire des dessins à première vue. Alors les placements de produits pour la société. Ah, le retour du blanc. Trop bien. Le retour du drapeau blanc. Ça d'accord. Alors là, ouais, je suis d'accord. Si on peut avoir le retour du blanc à tous les étages, moi je dis oui. Hein. Moi je dis oui. Je sens que les devs m'ont entendu quelque part. Le retour du blanc, évidemment. Texte en blanc.
en noir, peut-être que ça se verra plus de jaune. Jaune pisse. Petit rouge, rouge, ça se verra pas. Noir. Blanc. Allez, blanc. Blanc, ça serait bien, mais voilà. Modifier le texte. Tac, tic, tac. Ah non, il faut que j'efface tout. Okay. Paf, le reporter crew, bien sûr. Voilà. Tu peux installer. Parfait, magnifique. Alors, en moteur, on a quoi? Ouh, on est descendu de quelques générations. Hein. On est descendu un petit peu. À l'arrière, on est sur de la MK3 T mort. T'as raison, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Complètement. De la MK3 à bande. Hein. Cette centaine, on prend plus de dégâts, beaucoup de dégâts. Ah, bah oui, évidemment. Ah, faut installer plus de moteurs. Plus de moteurs. Plus de moteurs. Alors, du blindé MK5. Hop. Du MK3 léger ici. Du MK5 blindé là. MK5. Allô? Merci. Et on va partir sur MK3 léger. Parfait. Enfin, parfait. Je pas ça parfait, mais bon. En deux munitions. Oui. Le ventral. Laisse ça comme ça. Voilà. Très bien. Des grosses poutres. Un truc qui tire des poutres, c'est bien. Et le MK3 à bande à l'avant. Missile, on s'en fout. Je m'en sers jamais. Ce qui est une faute, hein. Je devrais m'en servir. Système électrique beaucoup trop cher pour nous. Ah. Alors on va juste voir un truc, hein, niveau matériel, c'est voir qu'est-ce qu'il y a sur les... Ah, j'ai plus de portant. Ah oui. Ah non, si, 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 c'est bon, j'ai un portant, ok. Donc là, on est sur celui de l'arrière. Il faut que des soins à l'arrière, ça sert à rien. Au milieu... D'ailleurs, j'ai été con, j'aurais dû abandonner... J'aurais dû faire sauter mes gars en parachute. Là-dessus, j'ai été très con. J'y pense pas, parce que ça arrive jamais comme cas, mais oui, j'aurais dû faire sauter mes gars en parachute. Des parachutes ici et là, on part sur parachute, tac tac. 1 4 5 5 parachutes. J'ai pas 5 membres d'équipage, j'en ai plus. Six pour 6 membres d'équipage, hein, ça fait erreur de ma part. Allez, Gajou, combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ils sont 7. J'ai plus pour les blindages, j'ai plus rien. On est au bout. On est au bout de ce qu'on peut trimballer, de ce qu'on peut s'équiper. Briefing. On n'a pas dit pour autant notre dernier mot, parce que je sais qu'il y a un avion de chiasse dans le coin. Bon, on va partir sur des missions simples. On va se refaire. On va se refaire d'abord. Ok. Décolle. Entre train d'atterrissage, c'est parti. On se penche, on tend. Du coup, c'est Upchurch à l'avant. C'est le retour d'une choupette. C'est une choupette à nouveau qui lâche des bombes sur les gens. C'est la belle mentalité, non? C'est bon. Moi, c'est les femmes qui sont prochaines. Petit reporter crew, avion civil, voilà. Le style. Avec un peu de chance, on aura moins d'embrouilles. Mais alors, leur mission secrète facile. Les bâtards. Je m'en rappellerai tellement de celle-là. Ah, vente de gros chien, va. Ah. Ça, c'est un vrai problème dans le jeu. Parce que cette mission, elle est tout sauf simple. Je veux dire.
Même si t'as l'avion à fond, je suppose que la mission est tout sauf simple. Je veux dire, c'est quand même des gros avions qui t'attaquent. Enfin voilà, c'est des vases en bouille. C'est pas des blagues quoi. Ici Eken recharge. Ah enfin je me souviens de vous. Ça va être chiant. Enseignement ajouté. Ok, c'est tout ce que t'as à dire. Chose qui manque dans ce jeu, c'est vrai que c'est dommage la micro-gestion. Il met de la volonté là, mais à un moment donné, on était juste dessus quoi. Ah, il est déjà en train de plonger ça le coup. Ah mais non, t'avais pas plongé. Non, il avait pas plongé. Je suis un abruti. Je suis un abruti. Vas-y, continue à tirer, petit père. Ça là, faut crever un peu monsieur. Mourir. Oh là là, je suis rouillé. C'est ouf. Bird, ça se dit. On va tout à l'arrière. Toujours la passion hein, la mission de bombardement tout marin, hein. C'est vraiment vraiment la meilleure mission du jeu je pense. J'ai plus trop souvent de le dire, c'est vraiment la mission ultime. Encore cramé, tout va bien, ça a cramé. On a la radio en rade. Thank you.
Tata. Voilà, et toi tu ne retournes pas à ta place. Voilà, c'est surtout toutes les choses qui me dérangent dans ce jeu. Marquez, je te... cherche ici. De faire des tours sur toi-même, wesh. Oh, pose-toi, oui. Voilà, voilà, voilà. Et on est posé. Et on revient avec 2600 pecs et ça se passe très bien. Pas de... avec 2600 pecs, avec oui c'est ça, c'est 2600 pecs je crois qu'on avait. Oui, tout le monde est revenu, calme-toi, tout va bien. Voilà, quel compte rendu magnifique, incroyable. Est-ce que avec tout ce qu'on a on peut acheter des chips? Avion, non, entraînement on s'en fout. Les moteurs j'ai tout acheté, les missiles on s'en fout, on a dit le système, on était sur les systèmes hein, à la base hein. Et on a 7500 pour passer sur un électrique vénère. Peut-être que les blindages seraient peut-être plus intéressants à exploiter. Ah voilà, là on a les vrais blindages qui arrivent après. D'accord. Bon, bon vas-y, on va monter le... on va monter les systèmes. Hein. Parti, électrique 5. Voilà. C'est bien. Donc il va falloir que je me fasse une série de... le... ah, pilote de chasse. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas fait ça pour rien? Excusez-moi, il y a juste un truc qu'il faut que je modifie qui m'a piqué les yeux là. Le bus boomerang. Non, on va l'appeler le javelot. Le javelot. Javelot. Parce qu'il tombe, parce qu'il tombe à l'eau. Vous aimez la blague? C'est génial hein. C'était trop bien. Pilote de chasse dans la zone, moi je prends. Moi je prends, je mets tout le monde en artillerie, on discute pas quoi. Alors, déjà on va pas bien loin, donc Upchurch, c'est bon, t'es au bon poste. Tac, attendez, je désoupe parce que déjà ça m'énerve. Tac, toi tu vas venir ici clairement. Voilà. Greg, fixe ton cul là-dessus, décolle s'il te plaît. Et mine-toi le train. Le train d'atterrissage. Oh arrêtez les grosses blagues. Hein. Je vous sens pas prêt là, ça. Je vous sens agacé. Parce que vous savez, j'ai encore perdu un avion. Voilà. Bah, moi, on m'avait dit mission facile, hein, donc j'étais pas prêt psychologiquement. Faut bien comprendre. Ouais. Ah, ça y est.
on est dans les emmerdes. Donc monsieur Cathédrale, s'il vous plaît, vous chargez les fournitures, bah vous remontez vos biches ici, on en reparlera après. Nettoyez la zone des ennemis qui s'y trouvent. C'est pas qu'on veut pas, hein. Mais il faut qu'il y ait des ennemis, hein. Ok. Qui s'est fait mais one shot. Waouh. Descends là, cherche s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien aller chercher cette connerie s'il te plaît, Mérite. Ok, super. Merci. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit marquage auto et une radio de reconnaissance, je te prie. On va rester sur objectif, ça m'arrangerait. Voilà. Burst. Oh, Burst, mais là, c'est ce qu'il a pris. Oh, on voit de l'incendiaire. L'incendiaire, ça met toujours les gens d'accord. Tac. Eric, tu viens là. Ah, ouais, non, mais toi, tu sers à rien. Ouais, tu seras très bien là quand même. Ok. Cartman, est-ce qu'on a repéré un truc? Oui, on a repéré un truc. On charge. On va te faire soigner. Et de qui on parle? Hop, Upchurch, c'est monté en position. C'est photographié. J'étais étonné qu'il n'y avait qu'une photo à prendre. Bah, faut changer de radar aussi, hein. Assez vite, je pense. Non, on marque plus rien. Notre concentration pour rien. On peut aller te faire soigner. Mérite, t'es revenu ici alors que tu devrais être là. Merci. J'ai du bourré de rôle à tous les coups. 800%. Et on a eu Sunja Schnellmann. Ça fait plaisir. Qui nous a fait, mais qui est pas resté en vie très longtemps, hein, évidemment, mais qui nous a mis mais une strasse dans les dents. Incroyable. Hein. Elle a arraché la bouche de Aiken, de Aiken, de son nom est chiant, je vais l'appeler Ken, alors que c'est Marvin. C'est comme ça, je suis un connard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez! Que dire de plus? Ah, nous approchons de Londres, hein, va mourir. Tous des touristes, hein, c'est Cartman, hein, c'est tous des touristes. Hein. Regardez, on survole l'île. Ah, regardez, on survole, et va mourir. À un moment donné, t'es pas. Voilà, t'es là pour bosser, t'es pas un touriste. Hein. Incroyable. Ah oui, si je sors pas le train d'atterrissage, je le fais pas. Hein. Un mérite, vous pourriez sortir le train d'atterrissage, hein. Faut arrêter de rien foutre, hein, toute la journée. Hein. Vous saoulez le monde. Hein. Allez. Voyez-vous le tronc? Rentrez le train d'atterrissage. Là, l'humour, tout de suite, l'humour. Non, qu'est-ce qu'elle mission. Bon, bah, tout le monde est neuf. Il n'a pris aucune cartouche, hein, à part mérite qui a... Enfin, Ken. Ouais, c'est Ken qui a bouffé toutes tes cartouches.
par Barbie qui a pris la sauce, quoi. Sinon ça s'est très bien passé. Heureusement, Barbie a arrêté toutes les balles avec ses dents. Capacité incroyable. Et on n'aura pas fait de vidéo pour rien, je suis bien content. Oh, que je vais remettre sur ce jeu. Faut que je retourne 50 vidéos d'avance pour éviter de me faire tuer comme un blaireau. Ce serait formidable. Oui, oui, oui. Formidable. On va faire une petite amélioration d'avion, au moins vite fait, hein, si on peut. Si on peut, c'est difficile sans l'argent. Sans argent. Non, on est sur les systèmes, hein, c'est bien ça. Radar, ils m'ont quand même laissé le MK3, hein, et pourtant je le trouve déjà tellement lent. Hein? Autant de thunes? Autant de thunes, le mec que j'ai abattu? Sérieusement? Bah écoutez, oui, vous pouvez dire. Bon, vous me direz, il était des sacrées sources. Hein. Les inspecteurs de moteur 4, s'il vous plaît. Les réservoirs d'oxygène, ça sera du 2. Et le carburant, autocomburant, on prend 200 de blindage en plus, hein, c'est ça, hein, on prend beaucoup de blindage normalement sur le carburant. Mais c'est vital parce que c'est visé en permanence, les mecs tirent tout le temps dessus. Et bah après ouais, on part sur du fuselage, hein, leur DMK5, hein. Ah oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Train principal, ouais, ouais, MK5. Date d'artilleur, hein, s'il vous plaît. En queue du MK5. Y a pas la thune. Bah, y a plus. Ah, bah, 0$, 0 copec égale la tête à Claudette. Voilà. C'était très bien. Et vous savez quoi, des as, il doit plus nous en rester beaucoup là. Là, ouais. Putain, y en a un à 25 000. Hein. Il doit arracher un peu. Hein. Il doit arracher un peu. Donc là, on est toujours dans les missions. C'est parce qu'elles sont critiques les missions ou c'est parce que c'est juste chaud parce qu'il faut traverser toute la France? C'est chaud parce qu'il faut traverser toute la France. Tour à canon flac de Vienne. T'es vraiment sérieux? Il y a vraiment une mission où il faut aller jusqu'à Vienne. Et... faut se calmer, hein. Calmez-vous, hein. Je vous remercie, c'était Knarfanction, comme d'habitude, Gaming pour Bomber Crew. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.